Dehors. Allez. Là, c'est... Margot. Oui, allez-y. Rentin. 40-30. Mais non, papa, voyons, bah, rentin. Écoute. Si, si, non, non, si, 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 40-30. Bah, tu vois, Catherine, t'es pas au jeu. Oui, servez, papy, servez, allez-y. Balle de match. Vous savez, Philippe, j'ai pas besoin de vos cadeaux pour vous battre. Oh. Corinne. Jasper est arrivé? Je ne pense pas, monsieur. Voulez-vous que j'appelle le bureau? Les ennuis? Je crois que le patron est déjà un peu allumé. Ah, mais c'est un événement. Prince de la BD a mis une veste. Il faut bien honorer le client. Déjà au jus de pomme, tu n'as pas perdu de temps. Oui, pure malt. Ça va faire plaisir à ton associé. Yep. En retard, cet imbécile. Ah, ce n'est pas son style. Florence, dorénavant, vous viendrez au bureau dans cette tenue. C'est malin. C'est un ordre. Et c'est plein d'arrière-pensée, parce qu'il y a 2 ans que vous travaillez dans la maison, je ne vous ai pas encore fait la cour. 3 ans. Hein? 3 ans? Oui. 3 ans, je suis fou, moi. Ça, c'est certain. Venez avec moi au pressoir. Où? Boire un jus de pomme. Qu'est-ce qu'il est pénible, ton père? Écoute, attends qu'on soit mariés avant d'insulter ton beau-père. Hein. Il est très chiant. Et moi, je suis très, très pressé, moi. Bon, allez, file. Et oublie pas le déjeuner de demain, hein. C'est l'anniversaire de Marianne. Ouais. Pense à son tambour. Formidable, vous êtes là. On va y aller parce qu'on est très en retard. Tout le monde est déjà parti, bah, évidemment. Ils sont tous au cocktail, hein, sauf moi. Il faut bien quelqu'un pour fermer les bureaux. Bah oui, bah c'est ça, on ferme. Mais comment il va sortir, lui, alors? Qui, ça? Bah, votre fils, il vous attend dans votre bureau. Ah bon? Vous m'attendez une seconde, hein. Salut. Salut, comme tu dis. Bon, tu veux combien? T'as de la chance, parce que j'ai même pas besoin de savoir sous quel prétexte tu viens me taper aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fout avec cette danseuse? Oui, c'est dommage, tous les journalistes sont là. Ça m'énerve. Où est Florence? Je l'ai envoyé téléphoner au bureau. Ouais. Alors, Dervaux, son spectacle dans ses musiques. Très bien, ça. La personne, la fac, ça roule? Ouais. Ouais, où tu vas maintenant? Au Précatlan. Canaveral signe son dernier album, tu veux venir? Hein? Oh non, c'est débile ces cocktails. Et si tu veux, on déjeune ensemble, non? Je peux pas, je vais au Vésinet. Voir ta fiancée? Bah oui, pourquoi? Oh, faut rien. Ah, mademoiselle, dépêchons-nous, on est en retard. On y va, ne perdons pas de temps, on y va tout de suite. À qui est-ce, hein? Alors, allons-y, bien, allons-y. Ah, à propos, Jacqueline, à quelle heure ferment les magasins réunis? 7 heures. Bon, alors vous irez m'acheter un tambour. Un quoi? Un tambour. Un jouet, un tambour. Vous avez compris? Bah oui. Bon, et vous le laissez là sur votre bureau. T'as eu cette idée de pudre? Quoi? Et alors, pourquoi c'est débile aussi, ça? Ah, je viens d'avoir Jacqueline. Elle m'a dit que Philippe est passé rue de Verneuil il y a un quart d'heure environ, donc il ne devrait plus tarder. Bravo, Florence, vous êtes formidable. Formidable. Oh, alors n'exagère pas. Si, si, si. Vous êtes fantastique. Et belle, belle. Belle comme le jour, comme la nuit que nous allons passer ensemble. Hein? Allez, venez, on s'en va. C'est le jus de pomme qui vous met dans cet état? Ah, bon, c'est la pomme tout entière. Nous allons croquer ensemble, mon œuf. Allez, venez, venez au paradis. Je vous en prie, Francis. Cœur. Ce n'est pas drôle. Mais, merde, ma femme. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est complètement idiot d'amener le chien ici. Je suis désolée, Alice, mais votre mari a un petit peu trop bu.
me surveille. C'est moi qui m'excuse. D'ailleurs, j'ai l'habitude. Faudrait être fou pour chercher à te surveiller, mon pauvre ami. Excusez-moi, mais je crois que Philippe a dû arriver. C'est bête, n'est-ce pas? Ah, Mathieu a envoyé la musique. Allez, les filles, allez, allez, vous montez sur l'estrade, vite. Là. Merci, Florence. Ça va, tout va bien? Maintenant, oui. J'espère que ça va durer. Mais monsieur Carpentier, vous êtes un butin. Je suis journaliste. Journaliste de buffet, oui. Journaliste de petits fous. Mais enfin, je ne vous permets pas. Ah bon? Moi, je vous permets de prendre la porte parce que c'est moi qui paye. Oui, moi aussi, alors arrête. T'es pas la tête de la bière. T'as compris? Ouais, excusez-moi. Pas du tout. Te voilà. T'arrives juste à temps pour me faire un prêche. Francis, t'es bourré jusqu'aux yeux. Peut-être, mais j'y vois clair quand même. Parce que ce monsieur Morali, ce monsieur qui est mon principe, mon ami, fait la leçon. Tais-toi, je t'en supplie. Puis tais-toi, là. Sachez, mesdames et messieurs, que ce monsieur n'est pas tout net non plus. Il me doit de l'argent. Beaucoup d'argent. Ça suffit. Oui, ça suffit, 50 briques. Je pense bien que ça suffit. Hein? Ce monsieur qui m'impose le silence me doit 50 briques. J'en ai marre de me faire rouler, Philippe. Aïe! Laisse-le, il va les cuver. J'ai honte. Le con, qu'est-ce qu'il tient? Mais il est pas en voiture, au moins. Je sais pas. Bon, alors c'est moi le cirque, hein, parce que ça tourne aux obsèques, la petite fête. Là. Francis! Passe. Écoute, tu veux pas conduire en plus, non? Arrête. Arrête, touche pas. Viens. Viens. Je te raccompagne chez toi. Ah non, pas chez moi, hein? Viens. Oh, Dieu. T'es fou, hein, quoi, hein? Pas chez moi. Non, mais t'es vraiment fou. J'ai eu un trou, dis donc. Qui c'était, cette bonne femme? Une journaliste de TF1. Oh, oh, oh là là, t'aurais pu me prévenir. Et... Oui. Importante, d'ailleurs. Et je l'ai injuriée. Oh, boudin, femelle, sont pas précisément les substantifs élogieux. Mais ça, tu sais, ça vient de la qualité de leur whisky. Oui, la quantité, non? Pas du tout. La quantité, c'est subjectif. D'accord. Bon. Alors, nous buvons de la quantité à la qualité, qui est notre qualité principale. À nous. À toi, Philippe, qui est mon ami. À Jospère et Carpentier. Et à la vie, oh, merde, bien. Hein? À Coppola. Oui, à Coppola. Avec cette méthode, tu me suis, hein? Oui. Oh. Si on fait pas de bêtises, en moins d'un an, hein, on peut tripler le chiffre d'affaires. Ah bon? Ah, hein? Francis, tu es là? Francis! Hein? Oh merde, on t'a vu l'heure? Il y a plus d'une heure. Eh, hey, viens, on s'en va. Hein? Hé! Hey. Hein? Tiens, tu veux rester? Oui, oui, oui. Ah.
Mein Gott, das ist ja furchtbar. Oh la la, so terrible. We have to call the police. Oh shit, scheiße. J'ai pas vu vous traverser. Oh verdammte Scheiße nochmal. I must take him to the hospital. Oh my God, what I have to do. Jenny vous conduira à l'hôpital, ok? Vous êtes soigné, vous guérir, hein? It doesn't hurt. Je comprends rien. Do you speak English? Yeah? Non. Deutsch? Mais c'est pas grave. Non, il faut trouver une pharmacie ouverte. Please, are you crazy? All the pharmacies are closed. It's past midnight. Doucement, là. I live in the street nearby, over there. Do you understand? Rue de Lille. Je prends soin de vos blessures. Vous venez à la maison. Vous marchez avec moi, ok? Okay. Venez. Okay. Venez. Drink, it's cognac. It's good for you. C'est un champagne. Mais enfin, pourquoi? Mais, parce qu'en ce moment, ce genre de liquide doit déjà pratiquement circuler dans mes veines à l'état pur. Vous avez trop picolé, comme vous dites, enfin. Plutôt, oui. D'ailleurs, là, maintenant, non, c'est rien, ça. D'ailleurs, je vais rentrer chez moi. Hein. Are you crazy? Hmm? C'est nécessaire de vous reposer un peu. Si vous partez dans cet état, ça peut être dangereux. Vous dormez un peu, ok? Ok, oui. Oui. Vous faites, je me déshabille. Mais pourquoi? Pour dormir. Dormir, mais oui. Où? Ici. Je vais dormir avec vous. Peu? Vous êtes marié? Un puissant? Enfin. Homosexuel? Catholique? Non, mais là, je... Well, then don't say anything. Désolé pour la veste. Jennifer, New York, 33, 24, 66, 28, Love. Il n'est pas pris, M. Jasper, ce matin. Hé, hey. Si on y est. 80 francs. Ah, j'ai pas de monnaie. La nuit a été dure. Voilà.
Alors, Jospère, il est temps d'y aller. Il est 8 heures, mon vieux. Oh non, pas ce matin. Si, si, tous les matins. Un matin de perdu, c'est bientôt 2, et puis on abandonne. Allez, allez, en tenue, mon vieux. Mais j'ai pas dormi, monsieur Fraissinet. Vous dormirez en courant. Je suis inflexible. Je vous donne 2 minutes. Et puis, ce que je vous dis, je suis incapable de courir. Vous comprenez? Il fait si beau. Le parc est splendide. Je m'en fous. C'est vous, madame Buge? Je suis sous ma douche. Préparez-moi un café fort, s'il vous plaît. Très fort! Philippe Jospère. Hein? Oui? Inspecteur Toulet, mon homologue Rousseau, police judiciaire. Hein? Voyons, vous êtes bien l'associé de Francis Carpentier. Oui? Autant vous le dire tout de suite, monsieur Jospère. Votre associé a été assassiné cette nuit. Pardon? D'un coup de poignard dans le cœur. Vous êtes, d'après nos renseignements, le dernier à l'avoir vu vivant. On a assassiné Francis? Vous pourriez peut-être arrêter cette douche, monsieur. Nous allons avoir quelques questions à vous poser. Allez. Où étiez-vous entre 3h et 5h du matin? Moi? Hier soir, vous étiez bien au pavillon royal, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et c'est là que, devant à peu près 200 témoins, vous avez giflé M. Carpentier après que vous soyez violemment disputé avec lui. Et avant de disparaître avec ce même Francis Carpentier que personne n'a revu vivant. Parce que... Oh, c'est incroyable. Vous pouvez penser que je suis pour quoi que ce soit dans la mort de Francis? En effet, nous l'imaginons, pour l'instant. Pour ne rien vous cacher, vous êtes un très joli suspect. Oh, mais c'est ridicule. Vous contestez les faits que nous vous rapportons? Absolument pas, moi j'ai rien à cacher. Dans ce cas, racontez-nous ce que vous avez fait après le pavillon royal. Mais c'est tout simple. Je suis parti avec Francis pour lui éviter un ennui en voiture. Il était ivre. Alors nous sommes allés au bureau. Et là, notre différence a été très vite oubliée. Nous, on a arrosé ça jusqu'à 1h du matin, c'est tout. Mais vous l'avez pas revu? Absolument pas. Je l'ai laissé en train de cuver sur un canapé du bureau. Alors comment se fait-il que le concierge vous ait vu sortir des éditions vers 5h30 ce matin? Parce que j'y suis retourné à cause du tambour. Un tambour? Oui, un cadeau pour ma future fille, enfin, Marianne. C'est son anniversaire aujourd'hui, alors je l'avais oublié en partant. Heureusement, je m'en suis souvenu en sortant de chez la fille qui m'a renversé en voiture. Vous avez eu un accident? Mais puisque je vous le dis, en sortant du bureau. Quand? Ce matin? Non, hier soir, à 1h. Mais après, vous avez passé la nuit chez une de vos amies? Non, hier, je suis retourné chez cette Américaine qui m'a accidenté. Pour faire un constat, je crois. Non, mais... Pour la gaudriole? Mais écoute, mais ça ne concerne pas. Ah, mais si, comment s'appelle-t-elle? Jennifer. Mais Jennifer comment? Mais Jennifer, je sais pas, moi, elle m'avait marqué ses coordonnées sur un billet de 500 francs. Et je l'ai donné au taxi. Sur un billet de 500 francs? Oui, pour me dédommager de ma veste. C'est clair, ça? Limpide, du vrai brou de noix. Vous vous rappelez peut-être son adresse? Parfaitement, rue de Lille. Ah, tout de même. Bon, alors habillez-vous et allons-y. Maintenant? Je crois que c'est dans votre intérêt, monsieur Jospère. Ah, vous m'avez fait peur. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce qui se passe? Un grand malheur, madame Buche, monsieur Carpentier est mort. Oh, mon Dieu. Non, allez me chercher le tambour de Marianne. C'est un cadeau qui est sur la table de la salle à manger. Dieu, le tambour. Oui, oui, monsieur. Mais comment il est mort? Merci, je vous l'expliquerai. C'était la police!
croyez? Regardez la voiture, c'est sûr. Je sais pas ce qu'il a fait cette nuit, votre patron, mais ce matin, il était pas beau à voir. Vous allez voir, c'est ça qu'il fallait. Voilà, c'est là. Vous en êtes sûr? Mais puisque je vous le dis... Eh ben voyons, ça fait jamais que trois immeubles qu'on visite. Ah, vous allez voir, elle va tout vous raconter. Cette suspicion est plaisante, ça sera aussitôt, vous allez être ridicule. Je vous le souhaite sincèrement, monsieur Jospin. Qui est là? C'est Philippe. Est-ce que Jennifer est là? Qui? Mais ouvrez, madame, c'est la police, on vous expliquera. Pas question, je connais la musique. Non, écoutez, madame, je voudrais parler à Jennifer. Il n'y a pas de Jennifer ici. Bon, enfin, j'ai passé la nuit ici. Ça m'étonnerait. Vous êtes sûr de ne pas vous être trompé d'étage? Peut-être que c'était au-dessus. Oui, c'est sûrement au troisième. Il y a un trafic pas possible dans cet appartement. Bon, alors allons-y en vitesse. Ça commence à bien faire. Hein. Ça va, Roger, t'énerve pas. Oh, bah écoute, ce type, il va nous faire visiter tout Paris. On en a pour des années. C'est malin, vous allez lui faire saigner son ulcère. Je m'en fous, moi, qui saigne? Ouais. On voudrait voir Jennifer. Je connais pas. Mais si, une américaine, très jolie. Écoutez, j'ai roulé toute la nuit, je viens de rentrer. Vous faites ce que vous voulez, je vais dormir. Bon, alors, si je comprends bien, vous n'avez jamais foutu les pieds ici, vous. Mais bien sûr que si. Tenez, regardez le banc. Moi, je me souviens très bien de ce banc. Hein, j'ai même dormi là, dans la chambre. Non, c'est bon. Voilà, c'est à côté. Voilà. Voilà, c'est là. Là, vous voyez que j'ai raison, le lit est défait. Tenez, ça, c'est pas une preuve, ça. Tiens, voilà. Ça, c'est le verre de cognac qu'elle m'a offert. Et là, c'est la salle de bain où elle m'a soigné. Elle va même encore y avoir des pansements. Non, non, c'est peut-être... Convaincant. Mais enfin, bon sang, mais comment pouvez-vous penser que j'ai tué Francis? Ça, ça va. Mais ça ne tient pas debout, ça. Allez, ça va. Vous savez bien. Allez, je vais. Ben oui, ils s'entendaient bien tous les deux. Ne quittez pas. Ils se faisaient des blagues tout le temps. Surtout Monsieur Francis, il adorait ça. Mais avec vous, comment ils se comportaient? Ils étaient gentils. Monsieur Philippe était plus sérieux, mais... Mais vous préfériez Francis? Ben... Vous avez couché avec lui? Oui, des fois, comme ça. Il me disait que j'avais le plus beau sein de la maison. Est-ce que, oui ou non, Philippe Jospin devait de l'argent à la victime? Oui. Combien? 50 millions. 50 millions? Ancien, bien sûr. Mais c'était un arrangement entre eux, près de la société, en quelque sorte. Pourquoi? Eh bien, Philippe avait besoin de cette somme pour régler une histoire de partage avec son ancienne femme. Mais, ami, ça n'a aucun rapport, cette accusation est grotesque. Une dernière question. Pourquoi vous appelle-t-on le comité? Disons que dans l'édition générale, le choix des manuscrits est la tâche principale d'un comité de lecture. Ah, et ici? Ici, c'est vous, le comité? En accord avec Philippe et Francis, oui. À qui vous devez 50 millions, soit dit en passant. Vous venez ici avec lui, vous nous l'avez dit vous-même. Le concierge vous voit sortir à 5h30. Bon. Vous portez un paquet, votre jouet tuméfié, votre veste déchirée, comme après une bagarre. Entre-temps, quelqu'un assassine M. Carpentier et pille le coffre. Mais puisque je vous dis que j'étais rue de Lille! Je sais. Avec une américaine que personne ne connaît, dans un appartement où vous confondez placard et salle de bain, dont les occupants ignorent tout. Mais sur un billet de banque, lequel billet se balade actuellement au milieu d'un million d'autres billets. C'est bien ça? Oui. Eh ben, c'est parfait.
Alors vous avez gagné un aller simple pour le quai des Orfèvres, monsieur Jospin. Maintenant? J'ai bien peur que oui. Ah non, mais ça, c'est pas possible. Ça, je déjeune au Bésinet, c'est l'anniversaire de Marianne. Philippe Jospin, je crains que... Je crains que la situation vous échappe. Vous ne déjeunerez nulle part avant un bon bout de temps. Si ce n'est au dépôt. Mais Catherine va être furieuse. Qui est Catherine? Ma future femme, inspecteur. Vous devriez la prévenir. Vous avez Catherine Hugonnet sur la ligne directe. Pouvez-vous venir un instant? Allez-y. Mais... Philippe, je vous en conjure. Sauvez-vous. Mais enfin, je suis innocent. Moi, j'en suis sûre. Mais tout est contre vous. Venez, passez par le balcon, c'est très facile. Non, Florence, c'est ridicule, ça. Mais non! Vous n'avez pas d'autre moyen si vous voulez retrouver ce billet de banque. C'est ça, votre alibi. C'est votre alibi, vous comprenez? Il faut absolument que vous retrouviez cette espèce de traînée. Florence! Très bien, alors si vous préférez, disons, cette jeune fille qui va au lit avec n'importe qui. Vite, passez dans les bureaux à côté, vous savez, celui de l'assureur. Et puis, bon, après, à vous de vous débrouiller. Non, c'est de la folie. Peut-être. Mais, Catherine! Ne perdez pas de temps, je la préviendrai. J'ai oublié celle-là. Mais Florence, pourquoi vous faites ça? Parce que... Allez-vous-en. Allez, dépêchez-vous vite. Allez, filez. Allez-vous-en, vite. Bonjour, madame, continuez, je vous en prie. Excusez-moi, je m'excuse de vous importuner, monsieur Dumas, mais ne vous dérangez pas. Merci. Et encore, mille fois merci. Vous n'avez pas appelé. Fallait le retenir. Ne dites pas de bêtises. C'est vous qui en avez fait une. Bon, vite, la roussette. Tu préviens le central qui met en route le grand jeu. Il faut le retrouver tout de suite, ce connard. Un peu d'éducation, s'il vous plaît. Ça va bien. Ça va. Ça va bien. Allô? Eh oui, j'attends. Allô? Florence, c'est Philippe. Écoutez, je peux pas fuir comme ça. Je peux pas, comme un voleur. Comme un malfaiteur. Je regrette, monsieur, d'être absent. Comment ça? Mais qui est absent? Vous n'aviez pas de rendez-vous? Mais non, j'ai pas de rendez-vous. Mais je supporte plus comme ça ce malentendu stupide. Alors vous dites à l'inspecteur que je reviens et je me rends. Mais non, ne faites pas ça, vous êtes fou. Qui c'était là? Le pape. C'était lui, hein? Mais s'il vous a dit, là... Répondez, nom de Dieu! C'est que si je voulais, je pourrais vous faire coffrer pour complicité, moi, si je voulais. Et pour atteinte à la sûreté de l'État aussi, allez-y, ne vous gênez pas.
Fermez les volets, mademoiselle. On n'y verra plus rien. Eh ben, tant pis. Mais vous êtes fou. J'en ai pas fini avec vous. Vous allez pas tarder à venir nous voir, ça je vous le garantis. Eh bien, il faudra m'y traîner par les pieds. Par les pieds, non, mais un coup de pied, oui. Quelle délicatesse. En tout cas, si jamais vous avez la moindre nouvelle de ce tordu, je vous conseille vivement de m'en avertir à la seconde. Hein? Vous avez pigé? Je comprends que pour vous, les bons Français sont les délateurs. Ceux qui vendent leurs amis, ceux qui les trahissent. Exactement, mon petit cœur. Vous savez ce qu'il vous répond, le petit cœur? Oui. Merci. Mais taisez-vous. Pourquoi êtes-vous revenu? Parce que j'avais l'intention de m'en rendre. Vous comprenez pas? Vous vous trompez, Florence. Vous me prenez pour un autre, je suis incapable de faire ce que vous me conseillez. Incapable. Mais si... Comment vous pouvez croire ça? Je ressemble pas au héros que je publie, moi. Je suis un petit bonhomme tout simple. Mais non. Mais comment voulez-vous que je fasse? D'abord, retrouver un billet? Écoutez, c'est délirant. Une épingle dans une botte de foin apparaît comme un euphémisme à côté. Puis, à ma vie, les éditions, je vais me marier à propos de... Vous avez prévenu Catherine? Non, 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 je n'ai pas appelé Catherine Hugonnet, navrée, mais ce déjeuner me semblait plus être de la première urgence. Mais calmez-vous! Il n'y a pas de quoi être calme. Est-ce que vous êtes inconscient ou quoi? Enfin, vous êtes soupçonné d'avoir assassiné votre associé. Mais enfin, vous savez bien que je n'ai pas tué Francis. Moi, oui, je le sais. Mais pas pour la police, pour qui vous faites un assassin très convenable. On va rechercher le salaud qui a commis cette abomination, Florence, mais... Florence, qui a pu faire ça? Je n'en sais rien. N'importe qui. Un voleur, Alice, moi, un drogué, un vagabond. Un malade, oui. Oh, sûrement. En tout cas, mettez-vous bien dans la tête que si vous ne faites pas quelque chose, c'est prison que vous écrirez sur les pages de votre agenda, sur toutes les pages, c'est clair? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors secouez-vous, ne restez pas planté là. Peut-être qu'il l'a encore, votre billet, ce chauffeur de taxi. Ça n'est pas la mer à boire de retrouver un chauffeur de taxi, non? Comment? Mais en cherchant, allez à la station où vous l'avez pris, renseignez-vous, demandez. J'avoue que l'idée est séduisante. Séduisante, mon Dieu. C'est insensé, vraiment. Ça n'est pas séduisant du tout. C'est indispensable. Et c'est très urgent. Comme il est urgent de retrouver cette Jennifer. Comment? Mais je l'ignore en lançant un message par l'intermédiaire des radios périphériques. Je m'en occupe, si vous voulez. Philippe recherche la petite pute qui lui a fait une déclaration sur un Pascal. Oh, non, vous ne feriez pas ça. Non. Je le rédigerai autrement. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous avez raison, mon petit cœur. Je vais m'occuper du chauffeur. Ah, Philippe. Promettez-moi une chose. Oui? Ne m'appelez plus jamais, mon petit cœur. Moi-même. Monsieur, j'espère vous faire dire qu'il ne viendra pas au Vésinet. Pardon? Vous avez bien entendu, madame. Philippe est dans la nature parce qu'il est soupçonné du meurtre de... Francis Carpentier. C'est une plaisanterie. Il est bien évident que pour plus de détails, le mieux est de vous reporter à votre quotidien habituel. Non, bon, passez-moi, monsieur, j'espère. Ah, je crains que ce ne soit impossible, madame. Et ne comptez pas trop sur sa présence pour le déjeuner. Tout au moins avant le dessert. Vieille tante. Tu veux une autographe? Non, mais vous êtes malade, non? Je cherche un de vos collègues. Ouais. Expliquez, mon gars, avec tous les tordus qu'il y a dans le quartier. Bon, enfin, c'est pas une raison pour frapper les gens. Mais si, mais si. Bon, il ressemble à quoi, le collègue que tu cherches? J'ai pas fait attention. Je l'ai pris ici cette nuit pour aller à Saint-Cloud. C'est maigre, hein? Il
T'es blond, brun, barbu, chauve, pédé, jeune, vieux. Et sa caisse, c'est dans quel genre? Eh, parce qu'on est 15 000 à Paris, mon gars. Bah oui, mais j'avais eu une mauvaise nuit, alors je me souviens plus très bien. Et t'as pas un petit détail, là, qui pourrait m'aider? Non, bah non. Si, à part un truc, là, sur le tableau de bord, pour la monnaie, vous savez, une plaque aimantée sur laquelle on colle les pièces. Oh, mais te casse plus, mon gars! C'est Albert que tu recherches! Albert? Ouais, Albert! Une R18 break blanche. Il travaillait la nuit dans le secteur. Puis à tous les coups, c'est lui, hein? Parce qu'il a essayé de me vendre un de ses gadgets aimantés, là. Mais vous êtes sûr? Ah, certain! Et vous savez où il habite? Ah, non. Non, mais il doit être au Balto, là. Tu sais, le PMU de la rue Mazarine. Oui, je trouverai. Je trouverai. Vous êtes formidable. Oh, c'est trop, non, c'est non. Trop. Non, non, merci. Merci. Merci pour tout. Hey, faites excuse pour la gifle. Oh. Alors, ça va mieux que ce matin? C'est vous, Albert? Bah oui. C'est vous qui m'avez conduit ce matin à Saint-Cloud? Et même que vous en tiez une bonne. Pourquoi? Vous vous souvenez que je vous ai réglé avec un billet de 500 francs. Attendez, oui. Mais bien sûr, oui, un billet avec des conneries en anglais dessus. Exactement. Vous l'avez encore? Je vous le rachète le double. Mais pourquoi? Parce que ces conneries en anglais, justement, ça m'intéresse. Bon, on peut dire que vous avez de la chance, vous. Parce que votre billet, je l'ai plus. Hein? Non, mais il est là. Et ça va peut-être me porter bonheur. Je l'avais joué à la gagne, sur le boutin, dans la cinquième. Vous jouez aux courses? Hein, moi, pas du tout. Non. Allez, venez, on va voir Lucien. Oh, Albert, tu crois pas que tu es assez allumé pour aujourd'hui, non? Oh, si, puis j'ai même te redemander mon billet de 50 sacs, alors. Oh, tu rêves? Mais non, c'est pour faire plaisir à monsieur. Tu sais, il y avait des trucs écrits en anglais dessus. Ah oui, très bien. Bah, il est là. Vous voyez, ça va s'arranger. Oh, vous pouvez pas savoir à quel point. Vraiment? Voilà. Et j'offre le champagne à tout le monde. Garçon, vous avez du champagne? Bien sûr, monsieur. Bon, vous apportez. Ça, alors. Bah, je comprends pas. Je l'ai vu il y a pas 5 minutes. C'est pas possible. Ça. Alors? Non, pas. Vous avez bien regardé, là? Ben oui, deux fois, vous avez vu, des deux côtés. Oh. J'ai dû le donner à Paul, ça je vois rien d'autre. Mais qui est-ce, Paul? C'est un collecteur du PMU. Mais, il est là, dehors, là, avec le casque. Paul! 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 Pourquoi on a laissé filer cette andouille? Ah, c'est de ma faute. Mais pourquoi tu dis ça, toi? J'aurais dû me méfier de lui. Bah, et moi? Qu'est-ce que je fais dans cette histoire, à ton avis? Je tiens la porte? Mais non, tu tiens pas la porte. Et arrête de t'énerver, tu vas encore avoir mal. Mais j'ai déjà mal. J'ai mal parce qu'on le retrouvera pas, ce type. Bah, c'est vrai, ça va être plutôt dur. Mais non, ça sera pas dur. Bah, t'as raison, ça sera facile, Roger. Mais va doucement. Je vais te faire un jus d'usine, allez. Mais pas trop d'eau. Qu'est-ce que tu es pénible? C'est toi qui es pénible, dirait ma femme. T'es malade, t'as vu ce que t'as fait? Mais c'est lui, c'est Jospère! Là, dans le taxi! J'en ai partout, moi! Alors, papa, t'as du plomb dans tes gosses? Mais merde! Bon, ben, dans le fond, on n'est pas obligé de s'énerver, hein, parce que... Oh, ta gueule! Ben alors, monte la roussette, on va la voir! Je sais, Roger, c'est de ma faute. Bah non, c'est pas de ta faute. Vous êtes sûr qu'elle se trompe pas, Lucienne? Y a pas de raison. Paul, c'est comme un facteur, il fait sa tournée.
Après le Balto, il passe au Saint-Cirgue. Et après, à la Civette. Il n'y a pas à sortir de là. Dieu vous entende. S'il vous plaît, mademoiselle, est-ce que Paul est déjà passé? Paul du PMU? Oui, c'est ça. Il y a 10 minutes, pourquoi? Il termine bien toujours sa tournée par la Civette, dans le 6e. Oui, toujours. Merci. Vous êtes un ange, mon petit. Mettez-les sur Birbito de la 5e. S'il arrive, on partage. Le voilà. Le vin, quoi c'est là, là? Ça va les mecs, pas de conneries. Pognon est dans la sacoche. Non, non, baissez les bras. Hé, hey, dans ta sacoche un mille-temps de 50 sacs que monsieur recherche. Parce qu'il y a un numéro de téléphone dessus, tu piges? Non, j'ai rien pigé. Mais ça paye rien, je pourrais faire ça. Je regarde tout de suite, hein. D'accord. Ah. Hey, moi j'ai rien, hein, vous avez vu, hein? Mais si, vous l'avez forcément. Puisque vous l'avez pris au Balto. Mais vous êtes marrant, vous, c'est pas sûr. Je ramasse l'argent, d'accord. Mais j'en donne aussi. D'ailleurs, regardez mes feuilles. Si, si, regardez mes feuilles. Là, je viens de laisser 3 briques au Saint-Cyr. Il y a quand même des gagnants en cours. Vous êtes marrant, oui, marrant. Bon, ben vous avez compris, il est au Saint-Cyr, votre billet, allez. Bon, excusez-nous et merci, hein. Ils sont tapés, ces mecs, hein? Mais vous voyez bien, moi je l'ai pas. J'ai dû donner à un client. Et vous ne vous souvenez pas à qui? Un gagnant, forcément. En plus, hein, moi je l'ai pas remarqué, votre billet. Mais c'est parce qu'il était dans une liasse, sinon vous l'auriez vu. À tous les coups, c'est ça. Vous avez eu des gros gagnants aujourd'hui? 1 ou 2, oui. Surtout un type. Il a pris le tiers c'est d'hier 5 fois dans l'ordre. Ça faisait plus de 2 millions, hein. Et vous le connaissez? Non, c'est pas un habitué. Je connais mes clients, mais il était moustachu. Ça, je m'en souviens bien. Même qu'il a joué cher pour remercier. 2000 francs à la place et à la gagne. Ha! C'est pas tous les jours qu'on a des paris de ce calibre. Ça m'a marqué. C'était sur le Cunnington dans la 5e. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? Ah ouais, cette fois, c'est foutu. Ah, faut bien admettre que ça se complique. C'est bête. Non, non. Non, c'est catastrophique. Et vous abandonnez le Vésiné aussi? Nom de Dieu, quelle heure il est? Une heure et demie. Hey, je me marierai avant vous. Oui, croyez pas, c'est bien l'air. Oui, non, mais allez-y vite, parce que Catherine va être furieuse. Bon, allez, on y va. Marianne, tu viens à table, s'il te plaît. Je comprendrai jamais ce garçon, il aime pourtant souffler. Il paraît que son associé a été assassiné. C'est pas le problème, quand on dit qu'on vient, on vient. Et à l'heure. C'est idiot, mais à force de donner des pourboires comme ça partout, j'ai plus un sou sur moi. J'ai même pas de chèque. Oh, enfin, vous me devez rien. C'était plutôt marrant, non? Marrant. Si on veut. Hé hey! En tout cas, si vous êtes besoin de moi, le Balto tous les jours à midi. Je vous laisserai une enveloppe. Allez, oubliez ça. Mais je serai content de boire un verre avec vous. Allez, au revoir. Au revoir. Tiens, petite cantinière, voilà ton tambour. Bonjour tout le monde. Mon petit Philippe, je vous ferai plus jamais de souffler, moi. Je suis désolé, mamie. Maman, maman, regarde. Un tambour, c'est bien une idée d'assassin. Oh, papa. Tiens, ma chérie, tu vas jouer dans le jardin, hein? Comment êtes-vous au courant? Par ta petite grue de secrétaire qui t'appelle Philippe. Non,
Florence n'est pas une secrétaire ni une grue. Catherine, Philippe, arrêtez. Philippe, dites-moi que vous n'avez pas fait une bêtise pareille. T'as pas, c'est insensé. Oui, la police me soupçonne pour des coïncidences malheureuses, c'est tout. Tu vois, Catherine, tu as que sans savoir. Marianne, arrête de taper là-dessus. Donne-moi ce truc-là. Allez. Donne-moi cet embourg-là, voilà. Ah. Voilà. Allez, va jouer, hein. Enfin, on n'a pas idée de se mettre dans une situation pareille, hein. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas, moi. Oh, j'envisageais de demander asile pour quelques jours. Arrête, ma chérie, pleure pas. Maman te le rendra, ton tambour. En attendant, Philippe, mettez-vous à table. Je crois que c'est ce qu'il aura de mieux à faire. J'ai prévenu la police, ils sont là dans 5 minutes. Papa. Bah quoi, il ne craint rien s'il n'est pas coupable. J'étais inquiète, le mari est ferré. Oui, j'ai vu, oui. La poisse continue. Alors? Je connais tous les PMU du quartier. Mais comment ça? Et le billet, alors? Le billet? Il est dans la poche d'un torfiste moustachu. Quel moustachu? Mais je ne sais rien, moi. Un moustachu qui a joué le 11 dans la 5e course. Je ne comprends rien. Je vous en prie, Philippe, expliquez-vous. C'est foutu, Florence. Je vais demander à la police. Vous n'avez pas été suivi, au moins? Allez en savoir. Puis j'ai pas l'habitude, hein, c'est mon premier crime. Vous écoutez aux portes, vous? Non, 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 monsieur, non, non. Non, mais on se connaît, non? Vous ne travaillez pas chez Morrison & Co, rue de Verneuil? Si, oui, 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 oui. Bah, qu'est-ce que vous nous espionnez? Non, non, non. Alors qu'est-ce que vous foutez là? Rien. C'est la demoiselle qui m'a donné rendez-vous. Ça veut dire mais ça. C'est un malade, c'est la première fois que je me cite là. C'est la meilleure alors ça. Bah, ça va, allez, allez, partez. Je pars tout de suite. Vous ne vous fatiguez pas pour me dénoncer. Donc, je le ferai moi-même. Je dirai rien. Le 511. Vous voyez, tout le monde est contre moi. Forcément, vous vous conduisez comme si vous étiez. Monsieur, monsieur là, encore vous, qu'est-ce que vous voulez? Rien, enfin, ça ne me regarde pas. Mais le 511 est à l'arrivée, je viens l'écouter à la radio. Et alors? Bah alors, ça devrait vous intéresser? Pas du tout. Ah, ah bon? Parce que votre moustachu va forcément venir toucher ses gains au PMU là où il a joué. Mais il a raison. Oh. Jeune homme, vous êtes formidable. Vous voyez qu'il ne faut jamais désespérer. Qu'est-ce qu'elle va être contente? Qui? Catherine.